À présent, nous vous invitons à suivre la déclaration du gouvernement, une déclaration lue ici par le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Suite à l'aboutissement heureux des négociations entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016, autour des revendications exprimées à travers 7 préavis de grève déposés entre le 30 novembre 2018 et le 6 mai 2019, le gouvernement de la République du Mali exprime ses félicitations et remerciements à l'Assemblée nationale, aux médiateurs de la République, à la Commission de conciliation, au Conseil supérieur de l'éducation, à la Commission des bons offices, à l'Association des adolescentes de 1960, aux centrales syndicales, à la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali, à l'Association des écoles privées agréées du Mali, à l'Amicale des amis et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, à l'Association des élèves et étudiants du Mali, au collectif des partenaires de l'école malienne, aux partis politiques, aux familles fondatrices de Bamako, aux confessions religieuses, au Conseil national de la société civile, pour leur implication dans la gestion de la crise scolaire. Par ailleurs, le gouvernement adresse ses sincères remerciements aux syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 pour leur esprit de collaboration et les assure de sa détermination à mettre en œuvre les engagements auxquels il a souscrit. Bamako, le 18 mai 2019, pour le gouvernement, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement.